j'anime le chantier sur le lieu qui sera le lieu ressource toi. C'est un projet qui a été initié par le bailleur social de la résidence de l'Orléanais. Et donc avec l'équipe de volontaires, cette semaine, on doit restaurer ce logement pour en faire un lieu qui sera un appartement, en fait, un logement témoin et qui sera aussi un parcours pédagogique pour les habitants. Il sera animé par l'association AHU, Accompagnement et Hébergement Urbain. Ils feront venir plusieurs associations pour créer des ateliers collectifs ou pour des entretiens individuels pour les habitants sur le droit, la santé, tout ce qui a trait. Natalia, pour toi, ça a été comment la semaine? Les chantiers? Ah, c'était vraiment bien, on travaillait bien, on a bien avancé. C'était pas vraiment joli ici avant, maintenant vous voyez que c'est blanc, c'est propre, c'est presque frais, c'est cool, tout le monde travaille. On fait échange de notre expérience, de vie ici en France, c'est vraiment bien. Je trouve que des rencontres au niveau national sont importantes. À mon échelle, dans le Rhône, on est une très petite association régionale. Et donc, c'est important de se rencontrer au niveau national pour reprendre conscience qu'il y a tout un mouvement derrière et qu'on n'est pas tout seul. Je m'appelle Juliette, je suis en service civique au Compagnon Bâtisseur. Et donc, sur le chantier, on a refait tout le salon, on a notamment cassé tout un mur qui était là. À la base, le mur devait rester, on devait avoir la moitié du mur qui reste, mais finalement, une fois qu'on a cassé une partie du mur, et le reste tanguait. Donc on a dû faire tomber toute la cloison. Sinon, le reste du chantier se passe très bien, on a bien avancé, on devrait avoir fini dans les temps. On a refait aussi la cuisine.